Salut à tout le monde, salut à tous, salut à toutes. Alors aujourd'hui une petite session, en fait je prévois un championnat donc sur Rassroom Experience. Donc vous voyez, j'ai mis l'IA au maximum. Donc une longueur de durée de la course de 15 minutes à chaque fois. En départ arrêté, donc pénalité. Voilà. Donc pas d'entraînement, pas de session de qualification, position sur la grille ici, bon, ça c'est quoi. Donc par contre j'ai mis toutes les consommations. Pour l'instant on va courir sur 4 manches, c'est-à-dire on va courir sur le circuit qui n'apparaît plus et qui n'apparaît pas sur P15 pour l'instant, qui n'apparaît pas sur, sur les nouveaux jeux qu'on peut trouver. J'en suis très agréablement surpris parce que le Red Bull Ring, voilà, c'est un circuit qui était apprécié, surtout quand on jouait sur GTR 2, des choses comme ça, c'était l'éclate. Après on va jouer sur un circuit qui est un peu plus difficile, qui reçoit beaucoup le WTCC et qui reçoit aussi le DTM. C'est un Macao, donc c'est un circuit avec beaucoup de courbes, très serré, avec très peu de parties où on peut doubler. Donc après on va jouer sur le Nance Ring, un circuit aussi qui manque beaucoup. Et puis on ira sur le Slovakia Ring. Voilà. Donc pour l'instant on va commencer par ces 4. Il y aura une vidéo pour chaque circuit. Donc voilà, moi j'ai choisi la Mercedes en DTM. Donc eh ben on va courir. Donc voilà, c'est vrai que Rassroom est un jeu où bon, il y a beaucoup de... En fait, il faut acheter des packs, il faut acheter des voitures, enfin acheter... C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à acheter. C'est vrai que c'est un jeu qui revient cher à la sortie. Mais c'est un jeu de simulation... pour moi, qui est vraiment au top, que j'aime bien. S'il fallait le comparer à P15... je dirais que le niveau de P15 et tout ça, il se correspond, il se balle. Donc, voilà. Donc, on va partir. Voilà. Donc, je pars 6ème. Okay. Yeah.
Voilà, ça c'était pour le premier championnat sur le Nürburgring, pas sur le Nürburgring, excusez-moi, sur le Red Bull Racing, donc en DTM. Les autres vont venir après. Sur ce, je vous laisse. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire à la fin, si vous avez aimé, vos ressentis, si vous avez des questions. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, et puis le petit pouce, c'est sympa. Donc je vous remercie d'avance. Et le Duck Snoopy vous dit à bientôt. Allez, tchuss les gars. Love you.